prends comme un honneur et je vous remercie d'être venu. Je voulais dire aussi en présence de Jean-François qu'il y a 15 jours, j'ai eu la chance d'être invité à un congrès à Tokyo. Les historiens japonais sont très très intéressés par la question de la Révolution française. Tout simplement parce que l'année dernière, ils ont fêté leur 130e anniversaire de la Révolution de Meiji. Et pour eux, c'est une vraie question de savoir quel est le rapport entre Révolution française et Révolution de Meiji. Donc ça veut dire que la Révolution française, on n'en parle pas qu'ici, on en parle aussi dans le monde entier. Il y a des universitaires qui travaillent sur la Révolution française. Et en fait, je vous racontais ça, non pas pour vous dire que j'étais invité au Japon, mais parce que je voulais dire devant Jean-François, s'il m'écoute, hein, que le conseiller consulaire, donc représentant des Français au Japon, avec qui je parlais, me demande un petit peu quel est mon programme, et je lui dis, tu sais, je suis très content, je vais à Martigues dans 15 jours, on était à Tokyo, il me dit, non, si tu vas à Martigues, tu vas pas à Martigues, tu vas à Linéa. Tu vas à Linéa. Donc, je sais pas si ça marche plus. Je sais pas. Oui. Donc, il me dit, non, tu ne vas pas à Martigues, tu vas à Linéa. Tu vas voir, c'est une librairie extraordinaire. Donc, voilà, Jean-François, tu es connu à Tokyo.